Avec les femmes leaders, c'est autour d'un déjeuner que les échanges se sont déroulés, une rencontre qui a permis à Christine Lagarde de faire connaissance avec les femmes leaders du Mali et par la même occasion leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. Le compte-rendu, Rachel Tessougué. Au cours de ce déjeuner, la directrice générale du Fonds monétaire international a partagé son expérience professionnelle avec quelques femmes leaders du Mali. Chacune d'entre nous, puisqu'on est des femmes leaders de plusieurs secteurs, certaines sont politiques, d'autres sociétés civiles, donc vous voyez, des femmes entrepreneurs et tout. Chacune dans son secteur est femme leader et apporte quelque chose pour son pays, pour la communauté. Les femmes leaders présentes pensent que cette rencontre peut être une source d'inspiration pour la bonne marche de leur carrière professionnelle. C'est très très bénéfique. On a fait le tour de toutes les questions qui peuvent se poser aux femmes, que ce soit des questions de promotion, que ce soit des questions de promotion au niveau des gouvernements ou bien au niveau des parlements ou bien au niveau des élus en gros. Donc on a vraiment échangé et elle a montré sa disponibilité à continuer à échanger. C'était un cadre informel, mais elle nous a promis de formaliser ce cadre-là. Le Fonds monétaire international est une institution regroupant 185 pays. Son rôle est de promouvoir la coopération monétaire internationale, de garantir la stabilité financière et de faciliter les échanges internationaux.